Hey, coucou tout le monde, bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo vlog donc qui arrivera sûrement avant tous mes autres vlogs en attente. Mais aujourd'hui, bah nous sommes le 24 novembre, on est confiné hein, comme vous le savez hein, et donc du coup, on va un peu dans cette vidéo ramener de la joie. Oui, parce que on va faire donc les décorations de Noël, le sapin de Noël et ensuite nous allons préparer des petits cookies. Et vous allez voir à la dégustation aussi du chocolat chaud avec de la chantilly. Enfin, bref, bellissimo! Allez hop, c'est parti! Voilà, donc là il est midi et on va commencer. Donc la préparation de la pâte à cookies. Donc on va pas les cuire tout de suite, on va juste préparer la base. Donc voilà, et ma fille se met à l'atelier cuisine, regardez. Allez, encore? Oui, encore. Alors après on fait quoi? On mélange? Elle est trop contente de faire ça. Ah, du coup, on rajoute. Non, mais elle est trop contente. Elle croit que c'est du chocolat. Voilà. Donc, bah, moi, je vous reprends dès que c'est un peu plus avancé. Attention, attendez. On va regarder d'abord l'œuf. Voilà. Tu mélanges? Elle mélange. Voilà. Bah, je vous reprends dès que c'est un peu plus avancé, les amis. Bon, en tout cas. Elle est comme son père. Encore le coco. Coucou, c'est quoi ce sourire de chipie? On fait la cuisine. Qu'est-ce que tu prépares de bon? Elle l'a reconnu tout de suite. Le chocolat! Oh, le chocolat, c'est la vie! Regardez-moi ça. Hey, carnivore? Bébé carnivore? Ouais! C'est le bébé carnivore de chocolat. Regardez-moi ça. Regardez comment elle se les enfile. Regardez! Va-t-elle voler? Elle va juste voler du chocolat. Les amis, je viens de recevoir quelque chose de ouf. Enfin, je ne sais pas si c'est de ouf, mais en tout cas, ça donne super envie de faire. Regardez. Le Monopoly pour les mauvais perdants. Ça, c'est ma femme qui vient d'éternuer. Donc, ne pleurez pas, faites-les payer. Donc, en gros, 2 à 6 joueurs. Donc, on se retrouve sur un Monopoly de base, on dirait classique. Hein. Mais, perdre va vous faire gagner. Recevez une pièce mauvais perdant lorsque vous faites des choses agaçantes, comme payer un loyer et des taxes ou si vous allez en prison. Faites-les payer avec Monsieur Monopoly. Échangez ces pièces contre le pion Monsieur Monopoly. Puis parcourez le plateau recevant de l'argent au lieu d'en dépenser. Les cartes chance et caisses de communauté favorisent les mauvais perdants. Alors par exemple, c'est celle-ci. Alors attendez. Qui ne veut jamais partager? Choisissez un joueur. Tous les autres joueurs, y compris vous, reçoivent 50 sous de la banque. Ouais, c'est Loulou. Vous avez gagné le deuxième prix de concours de beauté, mais vous êtes certain que le gagnant a soudoyé les juges. Recevez 10 de la banque. Et le plateau a l'air stylé pour le coup. Hein, on se retrouve avec du noir, de l'obscurité. Vraiment pas mal. Hâte de l'essayer en famille. Sinon, pour ce qui est de la pâte à cookies, bah, tout est fait. C'est au frigo. Et là, on fera chauffer bah, tout à l'heure. Attendez, je vais vous la montrer. Hein, hop. Et voilà. Donc, c'est fait. Tout à l'heure, on vous la montrera quand on fera la cuisson. Sinon, je parle tout bas, il y a ma fille qui dort. J'espère que vous m'entendez. Là, il y en a déjà qui sont finis en cuisson. Regardez. Miam, 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 miam. On va se régaler. C'est moi qui vous le dis. Et voilà, ça va au four. Pour 10 minutes. Pour 10 minutes. Vous avez entendu 10 minutes. À tout à l'heure.
Bon, ben, c'est l'heure du goûter. Voilà, il y a déjà une petite coquine en train de manger les cookies. Regardez, elle le cache, 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 elle veut pas qu'on le prenne. Et du coup, on va déguster le chocolat avec les cookies, la chantilly. Enfin, on va se régaler! Ouais, je sais, faut que j'arrête de faire ces voix. Hein? Tu dis ça pendant que je suis en vidéo, toi? Ben ouais, c'est tes gâteaux, c'est toi qui les as faits. J'ai cru entendre, ils sont pas bons les gâteaux, non. Tu veux que je le goûte? Non mais tu vas voir, moi je vais te dire qu'il est bon. Ah bah alors, hein? Hein? Qu'il est bon le gâteau. Regardez-moi ça. Bah oui, mais je t'inquiète, ça va arriver le chocolat. Donc voilà, et j'attends le presque sésame. Et je vous montre ça. Et voilà. Tu fais attention. Ah, elle me fait peur. Et voilà, dans nos tasses de Noël. Là, regardez. Non, ça c'est à maman ça. Oh, elle est en train de chiper le chocolat à sa mère. Oh, regardez la cuillère, regardez la cuillère, regardez la cuillère. Vous l'avez vu, nous, on va goûter. Et ensuite, on passe à la décoration. Parce qu'on a fait le ménage avant. Voilà. Nous avons goûté. Il est maintenant 17h06. Et nous allons donc mettre le sapin de Noël et les décorations dans toute la maison. Alors, hop, c'est parti. Je vais vous montrer le déballage du sapin. Sapin Noël? Ouais. Ça c'est le sapin Amélia, faut pas tirer dessus, d'accord? Voilà le sapin pris par Amélia là, la tête. Donc c'est un sapin couleur vert noir, hein. Il tire un peu sur le noir. Mais moi j'ai toujours voulu avoir un vrai sapin, peut-être qu'un jour on en prendra un vrai. Je sais pas quand. Mais de toute façon en période de confinement c'est un peu short, hein, tu me diras. Bah ouais. Bah ouais. Bah voilà. Donc là on le monte. Et puis je sais pas où on va le poser, on verra bien. Et ensuite, bah voilà, on le monte et je vous montre. Et puis voilà quoi, s'ensuit la fin, quoi. Hein? Ok? Ah, ça fait un beau joli décor. Voilà, il est déplié, il est posé. Hop, donc on va le mettre dans ce coin-là. Et du coup, voilà, bah, je vous reprends les amis dès que bah, il est décoré. Hein. Je fais pas de timeline, vous verrez direct après ça la finale decorations. Allez, voilà les amis, le sapin est presque fini. Il reste à mettre la touche finale. Oh, du premier coup, vas-y, vas-y, vas-y. La touche finale. Alors attends, c'est un peu compliqué à rentrer tout dans le. Voilà. Et voilà, nous avons l'étoile. Le sapin est fini, le bébé. Ouais, ben voilà les amis, le sapin est fini. Voilà, on l'a fait plus tôt qu'à la coutume, mais en cette triste période, il faut savourer les bonnes choses, la lumière, tu vois, la lumière. Peut-être qu'on verra le bout un jour. Bon, ouais, j'espère que vous allez avoir plein de cadeaux sous vos sapins. N'hésitez surtout pas, si vous pouvez, à envoyer dans l'espace commentaire. Je ne sais pas si c'est possible d'envoyer une photo de votre sapin, si vous le souhaitez, pourquoi pas. Ou alors vous les envoyez sur la page Facebook de Tonton Production. Voilà, il y a ma fille qui court après les chiens. Donc maintenant, on va finir de décorer toute la maison. C'est parti. Et voilà, les amis, donc c'est fini. Les décorations sont placées dans toute la maison. Il est 18h44. Donc je vais vous faire découvrir les décorations. C'est parti. Alors là, nous avons sur le mur de haut le joyeux Noël qui est placé. Donc à l'entrée, ensuite on a eu une petite bougie là tranquille. Le joyeux Noël ici sur le mur. Et ensuite les petites chaussettes qui sont bien placées ici. Donc sur le haut de la cheminée avec les petites décorations là sur le coin. Donc le fameux sapin avec l'étoile hein, que vous avez vu. Mais il y a un truc à côté qui est apparu, c'est la crèche. Oh, malheur, il y a le petit Jésus qui est! Il y a le petit Jésus. Donc là, ensuite, on a
des balls qui sont mis à côté des cadres, des étoiles aussi ici. Et ici, une petite bougie. Donc voilà les amis, j'ai plus qu'à vous dire au revoir sur ces images, donc avec le sapin et tout, la décoration. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura remis du baume au cœur. Et peut-être que maintenant vous allez mettre aussi votre sapin. Qui sait? Eh ouais, en tout cas voilà, on n'a plus qu'à vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année malgré les conditions que nous vivons. Et surtout, bah, portez-vous bien, restez sages, surtout, sinon Père Fouettard va venir, hein, attention! Allez, joyeux Noël!